Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la septième partie de la production écrite, la description. La description des personnes et la description des animaux. On commence par la description des personnes. Voici la plupart des phrases pouvant être utilisées pour la description des personnes. Les personnes. Une fillette, c'est une fillette très mignonne. Elle a de tout petites mains et des yeux bleus. Ses cheveux sont fins et blondes. Elle parle gentiment. Elle parle d'une voix douce. Un ami. Mon ami s'appelle Géant. Il a 10 ans. Il est brune, souriant et très poli. Géant est un bon élève sérieux et attentif. À l'école, tout le monde l'aime. Monsieur Tubiana, un grand et gros. Il a des cheveux noirs et une petite moustache. Ses yeux sont verts. Il porte un costume bleu marine et une chemise noire avec une cravate blanche. Il a un chapeau sur la tête. Tous les matins, il va se promener au bar. Le clown. Bubu a la bouche large comme un tiroir. Il a deux carrés bleus autour des yeux et une belle rouge à la place du nez. Comme il est amusant avec son chapeau déformé, ses vêtements trop larges et ses chaussures trouées, ébondées et rebondées comme une balle de caoutchouc. La Marie est très jolie avec sa robe blanche, sa couronne jaune et ses bijoux brillants et ses cheveux blondes. Animaux. Le chien. Comme il est mignon avec ses poils blancs, comme le coton, ses yeux couleur de noisette qui brillent comme deux diamants, ses pattes qui sont fines et luisantes. Elle est le meilleur ami de l'homme. Elle a souvent les oreilles dressées. Ses dents sont pointues. Il se met à aboyer quand il voit un inconnu. Chat. J'ai un petit chat, ses poils sont blonds tachés du noir. Elle a un joli moustache qui lui cache la moitié de son visage. À l'extrémité de ses pattes fines, elle a des griffes pointues. Elle l'utilise pour se défendre. C'est mignon, il n'aime que jouer. C'est un animal domestique. Il a souvent le corps souple, des yeux brillants et de longues moustaches. Il ronronne quand il est content. Il aime attraper les souris. L'oiseau, c'est un magnifique canari. Ses plumes sont douces, son bec est pointu, ses pattes sont fines, sa voix est très belle. Le mouton. C'est un animal herbivore. Il vit à la campagne. Son corps est couvert de laine. Elle a des sabots à l'extrémité de ses pattes. Elle a des yeux doux. Sa famille est la brebis. Son petit est l'anneau. L'écuriel. C'est un animal sauvage. Il vit dans la forêt. Il a des poils roux et une longue queue épaisse. C'est un petit animal et il se nourrit surtout de fruits secs et de noisettes. Le canard. C'est un joli canard. Il avait la tête et le col vert, les jambes couleur d'huile et les ailes marron. Chèvre. C'est un animal ruminant. Il a de longues poils, une barbiche et des couronnes recourbées. Elle se laisse traire sans bouger. Il aime manger les feuilles des arbres. Le lapin. Mon lapin a de longues oreilles, deux longues dents et une petite queue ronde. Il aime la salade et les carottes. Ses poils sont doux et blancs comme les courants. Et enfin, mes chers amis, n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et bonne chance à tout le monde.